En tout cas, moi de mon côté, si Gbagbo revient le 17, comme on le dit, vraiment, tout va redevenir comme avant. Hein. Parce que c'est quelqu'un, lorsqu'il était là, il n'y avait pas le chômage. En tout cas, tout allait bien. Tout allait bien. Donc, je prie Dieu même qu'il revienne. Avant le jour même. Piège. Bon. Ça va, il va rien se passer. Ils seront contents, ils seront très contents. Ils seront dans la joie aussi. Bon, il y a d'autres. Ils seront contents. Bon, pour un premier temps, mais moi, je ne suis pas contre pour son arrivée. Au fait, ça me fait plaisir. Parce que c'est un fils du pays. Bon, tu sais, ce qui est passé, on peut dire bon, c'est déjà passé. Tu comprends un peu? Levier, Joe, il n'a qu'à venir. Peut-être t'as déjà vu. Allez, là. C'est bizarre. Nous-mêmes, on est en train de manger Gaba. On n'a pas payé. Du coup, peut-être si lui vient, on va chez moi. Peut-être qu'elle a là aussi, il barre. Peut-être si lui aussi il vient. Si mais il va barrer encore. On ne sait pas. En tout cas, le vieux, on venir, on fait la paix, tranquille, tu as te positionner. Il habite là. Je suis coach sportif au passage. Donc si tu viens, peut-être que tu peux être ton coach. On ne sait jamais. Bon, Laurent Gbagbo, moi je pense que il est dans l'obligation de venir. Parce que c'est son pays. C'est vrai. C'est vrai, il a quitté le pays il y a longtemps. Les crimes là, c'est deux côtés. Juger un côté, puis laisser un côté. Logiquement, Gbagbo a fini, il a purgé, la CPI l'a quitté, il est dans son droit d'atterrir le 17 à 14h. Être accompagné chez lui, soit ta maman, soit ta, je sais pas, si ça gagne moi, si c'est dans son quartier résidentiel, quelque chose à Cocody là, moi, mon avis, qu'il soit là. Qu'il soit là, bel et bien là. Sinon, la réconciliation n'aura pas lieu. Bon, je trouve que déjà, c'est une bonne nouvelle qu'il soit là, de retour d'abord au pays. Ça montre que vraiment la Côte d'Ivoire était un pays en paix, voilà, et que nous vivons tous dans la cohésion. Il a été quand même un grand homme dans ce pays. Voilà. Il nous a montré des voies à suivre, selon la, il nous a montré des bonnes marches aussi. Voilà. Et là, il nous a appris aussi les belles cultures de notre pays. Donc, du coup, c'est vraiment quelqu'un de bien et c'est vraiment génial qu'il soit de retour au pays. On n'a pas fait de partie, on n'a pas de réconciliation. Eh, tout est dit, je vais aller au marché. Tu vas au marché, c'est une même assassin, ça rentre. Avec autant là, même t'as 1000 fois. T'as 1000 fois, mais tu es rassasié même. Tu fais ton marché propre. Propre. Bon, effectivement, c'est un ancien président. Bon, c'est son pays, il a le droit de rentrer. Mais bon, s'il rentre, là, la réconciliation sera mieux. Le pays, bon, le pays n'est pas en paix, le pays qui n'est pas rond. Donc, moi, s'il rentre, ouais, nous, tous, on va s'asseoir. Ouattara, Gbagbo. Et Bédier, ils vont s'asseoir, ils vont en parler pour ramener la paix en Côte d'Ivoire. Ouais, les liens, ça, c'est là ma famille. Donc c'est normal qu'ils rentrent. Il ne peut pas rester sur son pays, il faut qu'ils rentrent dans son pays. Bon, je suis contente parce que bon, c'est un ex-président. Après tout, même s'il est parti, on veut pas, mais c'est un ex-président. Donc je suis très heureuse. Qu'il vienne ici, qu'il vienne dans notre pays. C'est lui-même son propre pays. Donc, il est venu, on est content. Vraiment, ça me plaît. Devant Dieu et devant les hommes, ça me plaît beaucoup. Voilà, je prie Dieu s'il vient, qu'il appelle vient les différences politiques, les différences religions, les différents villages, les chefs des villages, que Dieu met la main en Côte d'Ivoire. Que la paix vienne en Côte d'Ivoire, que la paix vienne dans le monde entier, que la paix vienne tous les habitants de ce pays, tous les étrangers, tout partout, que la paix vienne.